j'ai toujours ma potion de résistance au feu dans l'inventaire en cas de problème de type gaz ou lave. Allez, 18 level, je pense qu'on va retourner à la maison. On était arrivé par là. Il me semble. Ok, la pioche a rendu l'âme déjà. Bon bah c'était notre dernière efficiency. Elle est revenue à zéro. Comment ça se fait qu'elle est revenue à zéro? C'est quoi ce bug? Et elle a zéro durabilité, hein. Bon, on va la garder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On va essayer encore de la réparer. Allez, par contre, on va se refaire parce que... Franchement, là, je me suis fait toute une chier, hein, mais... Non, pas celle... Ouais, elle est là. Okay. Ah, j'ai récupéré. Allez, F3, donc... Non, c'est pas par là, déjà. Donc, c'est plutôt par là. Par là et par là, donc dans cette direction là. Ok, bon, pas quitte à faire, on va reprendre encore. Alors pour le stuff, comment je me tâte, soit on comment. On part sur le principe de prendre une... comment de faire un stuff en fer P4. Ce qui en soi est déjà pas mal pour la survie. Ou on vise... ou on attend d'avoir 24 diamants. Pour se faire un full stuff en fer. Et... puis bah, tout simplement s'enchanter un full stuff diams P4, ce qui est énorme. Les phaser falling, alors à ce que j'ai compris pour les phaser falling, il faut de toute façon une table d'enchantement et puis enchanté au niveau 26. Donc je me suis un petit peu renseigné un petit peu hors caméra sur les enchantements davantage, en fait. J'avais bien étudié le truc, mais j'apprends toujours des choses sur les mécaniques de Minecraft. Apparemment, si on enchante des paires de bottes niveau 26, on a une grosse chance d'avoir Feather Falling dessus. Ça s'approche des 40% de chance, je crois, ou des 60% de chance, je sais plus, c'est dans cet endroit là bon, on va dire 50% de chance, quoi, d'avoir des feather falling sur les bottes si on les enchante au niveau 26. Voilà, encore une galerie pas trop, ouais, pas trop loin. Tant que j'y suis, on va essayer de voir cette galerie là si elle mènerait pas un petit peu de quartz. Voilà. On
verra ce qu'on va se faire avec le quartz, mais essayer de se faire quand même quelque chose en redstone, ce serait sympa, et donc utiliser les comparateurs. Ok, allez. Oula! Non, pas ça, ça. Bon. Ça n'est pas trop mal tiré encore une fois. Hop, alors, ici. Voilà, le quartz. Le quartz, on va le prendre, on va le mettre avec le... commence à en avoir une belle quantité à force d'aller en farmer le fer oh, fait chier hein, pour cette pioche en fer, mais on va pas aller à chaque fois la désenchanter et puis hop. Pour le moment je mets ça ici, ce sera changé. Les potions on va également. Les torches, on va les mettre là. Ici, voilà. Hop, 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 hop. Et hop. Allez, on est parti. Juste, est-ce que j'ai des... Oui, j'ai trois potions ici. Enfin, trois fioles d'eau. On verra ce qu'on fait par la suite. Mais j'ai une idée de ce qu'on va faire. Il va me falloir un nouvel entonnoir. Mais j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. Alors, de toute façon, on va se prendre... alors, la priorité, c'est les protections. Je veux avoir un stuff P4. Donc, on va se prendre tout ce qui est protection. Protection 2. Donc là, déjà, on a protection 3. Bon, déjà on va voir pour les pour le P3 qu'on peut avoir. Bon, allez, donc on a un P1 et un P3. Okay. Allez, ensuite je vois qu'on a pas mal d'efficacité. Avoir une pioche en diamant, efficacité 5, ça serait énorme. Donc là on va avoir une efficacité 3 plus une efficacité 2. Si on pouvait encore avoir là on va encore avoir une efficacité, non ça c'est un tranchant, ça c'est pas une efficacité. Efficacité 1, est-ce qu'on a encore une efficacité qui traîne quelque part? Efficacité 1, génial, on va avoir une efficacité 4. Ah, et ben on va avoir notre P4. On va avoir notre P4, c'est génial. Donc P1, voilà, P2, les deux P2, et P3 plus P3, P4. Ok, on a notre premier livre P4. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est parfait même. Ensuite donc on... Ah merde, on a déjà plus qu'un niveau. On va enchanter une des pioches qu'on a là avec le niveau qui nous reste. Efficacité 1 évidemment. On va le garder en stock. Ok, et tous ces livres-là, on va les mettre comme ceci, histoire qu'il nous dérange pas, et puis on va savoir que tout ce qui est efficacité 2 et puis efficacité 1. On va
va avoir de quoi se faire des efficacités épiques. Hein. Mais moi, je l'avais en diam cette pioche. Donc moi, je propose c'est qu'on aille rechercher. Attends, on y est. Oui, alors on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Pour cela, j'ai besoin, alors déjà, de me débarrasser du gravier que j'ai dans mon stuff, parce qu'à chaque fois je pense que c'est de la pierre alors que ça n'en est pas. Il va me falloir de la pierre, il va me falloir ça et la bâton de blaze, oui, au moins une. Il va me falloir deux potions de résistance au feu supplémentaire, au moins. Donc attendez, que je réfléchisse. Bon, déjà on va se faire ce à quoi je pensais. On va se faire un deuxième Bloomstorm. Voilà. Un deuxième alambic donc. Le saut dans le nether, il va pas être utile. Voilà. Allez, que je dise pas de bêtises. Oh, attendez. Ouais, mais non. C'est une mauvaise idée. Oh, en soi, ça peut ne pas être une mauvaise idée. Ça dépend. Ben, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça dans ce sens-là. On va prendre un peu plus de livres. On va prendre voilà, au moins un stack de livres. Attendez, que je réfléchisse, hein, parce qu'il va pas falloir que je fasse de conneries. Et je vous dis, je suis un peu fatigué en plus ce soir. Du sable. Ok, alors il va me falloir au moins ouais, du sable. J'en avais fait cuire, je m'en souviens. Ok, je me souviens plus que j'avais ça. C'est plutôt cool. Du sable, j'en ai. Je sais où en avoir. Du caillou, j'en ai. Attendez. Table de craft. Une table de craft, on va reprendre nos sticks. En tout, on va carrément reprendre du bois. Du bois des coffres, j'en vais avoir besoin. De quoi j'en ai encore besoin? Il y a un coffre ici, il y a un four ici, en soi il peut déjà m'être utile. Attendez, je regarde un petit peu tout ce que j'ai hein, dans mon stuff qui pourrait m'être utile pour ce que je veux faire. Bah écoutez, je pense que déjà on a de quoi faire. Et ce qui va nous manquer, c'est ça. Je peux la casser avec la pioche en... J'ai un doute si je peux la casser avec la pioche en pierre. Enfin en fer. Donc on va quand même utiliser la pioche en diamant pour la récupérer. En soi, la pioche en diamant... Voilà. Alors on la prendra pas tout de suite. Mais elle est là et elle servira aux protections. Quand on aura une efficiency 5, solidité 3, on aura ce qu'il nous faut. Ça, je laisse ici. Il va manquer ça, évidemment. Donc, la Nether Ward, je vais la prendre.
Combien j'en ai? 11. On va prendre un peu plus. De la redstone, il va en falloir. Bon, un stack, quitte à faire. Ok, attendez, alors que je résume. Ouais, la netherwort, on va la mettre quand même. On va garder le pain en tant que nourriture. Des healing potions, j'en ai plus. Au moins deux. On va en remettre en production. Des healing potions. Avant de partir. Ok, il me faut une glow. Ok, alors un petit coup de netherwort, la pastèque et la poudre de glowstone. Quelques pioches de plus, bah, toutes les pioches en fait. On va la laisser. L'Under Eyes, elle va rester là. Enfin, ce qui va nous servir d'Under Eyes. Potion splash, pas nécessaire, je pense. On s'en passera. Et puis, bon, on est parti. Hein. Je pense que j'ai tout. J'ai la table d'enchant. J'ai de quoi me refaire une enclume là-bas. Enclume qu'on va déjà se faire. On va gagner du temps. Voilà. Je réfléchis. Le diamant, c'est inutile que je le que je garde sur moi. Attendez, parce que je me prépare. Hein. Je me prépare réellement, même si ça va durer un petit peu longtemps. Vous m'en tiendrez par rigueur. On va quand même le prendre de l'autre côté. Je réfléchis, hein. Je réfléchis pour être sûr à 100% que j'ai pas besoin d'autre chose. J'aurais besoin. Ouais, en soi, je pourrais me servir des blaze rods comme carburant, mais on va quand même se prendre un stack de charbon. Parce que je veux être sûr de rien oublier, parce que là on va partir assez loin, c'est ça le problème. C'est que je pourrais pas me permettre de faire demi-tour quand je veux. C'est qu'on va partir pour une séance assez longue. En soi je devrais retracer jusqu'au biome marais, mais on repassera par le nether pour ça. Quand on aura besoin. Excusez, hein, je regarde vraiment tout ce qui pourrait m'être utile. Le lit, ouais. Je sais pas parce que justement je compte un peu fight quand même. Non, on va pas prendre le lit. Ok, ici, ben ça on va les laisser là. On les laissera là puis on enchantera tout ça plus tard. Au niveau potion, de toute façon, je suis déjà organisé. J'aurais pas besoin de plus que ce que j'ai actuellement. La Soul Sand, j'en récupérerai de toute façon. Allez, on va quand même replanter un peu. 30, ouais, c'est pas mal. Allez, on est parti. Épée en main. Hop.
Ah d'accord, je peux pas appuyer sur échappe quand... Ah d'accord, on peut pas appuyer sur échappe quand on est dans le portail. Ah ça, je ne le savais pas. Vous voyez, bah, si vous le savez pas non plus, bah, vous venez d'apprendre quelque chose avec moi. Quand on est dans le portail, on ne peut pas appuyer sur échappe. Screenshot. Et puis c'est... C'est ce portail ici. Moins 320, 150. Non, pas par là. Ouais, en fait, si c'est par là, mais... Non, c'est là en fait, voilà. Hey. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas par là, c'est par là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Bon, si je vois du comment, de la du quartz, j'en minerai pour les niveaux, mais de toute façon les niveaux, on va en avoir un endroit bien précis. Vous en faites pas. Si on arrive vivant là-bas, on va se faire la blinde de d'XP. Ok, je me souviens plus par où on passe. En gros, là, on va à la forteresse du Nether, hein. Hop. Attendez, attendez, que je dise pas de bêtises. Pas que je tombe, hein. Attendez, shift. Ouais, mais pas que je tombe. Si je tombe là, je suis mort, hein. Bon. Ouais, logique. Hop. Plutôt. Attendez, parce qu'il me faut le niveau 73. Donc de toute façon, je suis monté trop haut. On va redescendre. On va redescendre, je pense que ce sera mieux. Et moins risqué. J'ai dû me planter à un endroit. Pas grave, on va remonter. Il y a du quartz ici. On va juste récupérer ça. Peu d'XP. Ok, c'est fait. Faut que je retrouve par où je descends habituellement. Dernier coup que je suis descendu par où? Un peu par là, certainement pas. Mais en soi, ça paraît pas si con que ça de descendre, peut-être. Ok.
Non, ouais, celle-là. Ça descend bien par quelque part. Voilà, là, je peux encore descendre d'un cran. Bon, allez, ici, je risque pas grand-chose. Alors, attendez, que je dis pas de bêtises. Donc par là, je m'éloigne. Ouais, donc c'est par là. Ce que je voulais. Allez, continue. Par là. Le gaz, j'en ai rien à secouer. Je devrais pas tarder à la voir de toute façon. Attendez, je revérifie juste les coordonnées. Moins 315 et 150. Donc déjà c'est un peu plus par là. Non, plus par là. Et c'est un peu plus haut hein, de toute façon parce que c'est dans les 70 en hauteur par là, ouais bon. Semblait à une tranchée que j'avais creusée, mais non. Ok, de toute façon, 350, c'est trop. Ok, donc en fait, c'est par là, mais. Ok, donc il faut que je monte encore par là. Ok, message reçu. Là, c'est juste que je ne la voyais pas. Ah oui, puis voilà, puis il y avait la lave non update. Allez. Bon. Bah ça c'est fait. Ok, oui, et puis... Oh. Bon.
je descends dans le bon sens.